Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coffre à versus avec aujourd'hui les phases finales du tournoi en simple de CVS2 du Tougeki 2003. Alors je fais Tougeki 2004 et ensuite je fais Tougeki 2003. L'intérêt c'est surtout que je voulais vous remontrer du CVS2 pour vous parler d'un truc très important qui a relancé l'intérêt de CVS2 partout dans le monde, à savoir les roll cancel. Alors j'ai fait quelques fenêtres de commentaires écrits à l'intérieur des vidéos précédentes pour vous présenter un peu ce système. Je vais vous en dire un peu plus. Le roll cancel, c'est le fait de canceller un roll sur la première ou la deuxième frame de celui-ci par un coup spécial. Ça donne en fait à votre coup spécial les propriétés de la roulade et le rend donc totalement invincible. Et ça permet entre autres de passer au travers des Hadoken, au travers des projections avec les persos comme Honda ou Blanca ou tout un tas d'autres, ou d'avoir des Sonic Boom ou des Spinning Bird totalement invincibles. C'est gratuit mais extrêmement difficile à exécuter. On verra au fur et à mesure de la compétition des roll cancels s'effectuer. Je vous dirai à quel moment le roll cancel est évident, car il ne l'est pas toujours. Il faut savoir que la plupart des persos essayent d'en faire le maximum. On est en 2003, le roll cancel n'est pas très développé. Si vous regardez la vidéo du Tougeki 2004, vous verrez Mago en faire quasiment tout le temps et sublimer ce système. Donc on attaque avec le quart de finale. Premier quart de finale qui va opposer Otaku no Desensu à votre gauche face à, vous l'avez reconnu, Umehara Daigo avec son petit sac. Donc Desensu no Otaku qui tousse un peu et qui est donc un cas Groover qui va nous jouer cas Ibiki, donc il va jouer qui lui, Ibiki, Kyo et Rock, alors que Umehara est plutôt un C Groover et il va jouer Guile, Chun-Li et Sagat. Donc occasion de voir Umehara jouer Guile, vous allez voir c'est très intéressant de voir comment Umehara peut jouer un perso à charge. On n'a pas réellement l'habitude de le voir jouer ça. Alors le C-Groove, c'est un groove assez facile à appréhender. Le K-Groove, c'est le groove qui possède le Just Defend, un small jump et une barre qui se vide dès qu'elle est remplie, mais qui dispose d'une Fury Max. Voilà, allez c'est parti, premier round, Guile contre Ibiki. Allez, Sonic Boom, Sonic Boom. Umehara qui commence à spammer dans un jeu où la camp fait loi, avec directement un saut gros pied par-dessus les tentatives de jump au-dessus des Sonic Boom de Ibiki. Ibiki qui tente de presser un peu Umehara, qui sort avec un arrière gros pied. Voilà la roulade pour se sortir du coin. Sonic Boom, arrière gros pied. Encore une roulade, bas médium, gros pied dans la garde. Le Just Defend de Sonic Boom, le Just Defend raté. Sonic Boom encore une nouvelle fois. Umehara qui prend directement l'avantage dans ce round. On le sent bien, magnifique! Le Total Wipeout suivi du Somersault. Total Wipeout no level 2. Alors en ces grooves, les Fury level 2 peuvent être cancellés à la fin, soit par une Fury level 1 si vous avez disponible, soit par un coup spécial. C'est ce qui a été fait ici. Le Total Wipeout fait derrière un saut, cross-up, light kick, balai punch, balai punch. Très 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 difficile à exécuter. Et là, tentative de Just Defend pour récupérer un peu d'énergie de la part de Desensu no Otaku. Mais ça ne suffirait malheureusement pas. Voilà, Sonic Boom Trap. Tu sautes par-dessus, tu prends high jump, gros pied. Et tu ratterris dans le Sonic. Ouais, il s'en veut. Otaku no Desensu, faut dire que c'est vraiment pas facile de sortir le Guile de Umehara Daigo. Encore une fois, le saut gros pied là qui gagne son combat dans les airs. Un petit Oliga, il le cancel, suivi d'une chop. La tentative de cross-up, ça ne passe pas sur Umehara qui reprend de la distance. Sonic Boom, le Just Defend bien arrêté par le avant gros point de la part de Umehara qui spam les arrières gros pieds. Peut-être veut-il tenter de casser la garde. Avant medium kick, avant medium kick, toujours pareil. Cet objectif de vider la barre de garde de l'adversaire. La chope de la part de Kyo. Le Sonic, le Somersault pardon, dans le vent évidemment. Scissor kick suivi de Roshinagi. Ça fait très mal surtout en K-Groove. Toutes les furies sont maximum quand elles sont lancées. Et là derrière le scissor kick, ça permet à Desensu no Otaku de revenir quasiment à égalité. Allez, la Chun-Li de Umehara, c'est parti. Il garde l'attaque de Kyo qui pour l'instant ne trouve pas l'ouverture. Medium punch, saut, medium kick. Toujours c'est light punch dans la garde. La roulade pour faire passer en dessous du saut de son adversaire. Pour l'instant, Umehara maîtrise parfaitement le Kyo adverse qui réussit un petit cross-up avec saut gros point. La glissade bas gros pied qui ne passe pas. Un petit dragon à la relever. Attention à ça, le Kikocho suivi du super Yakukak. Kikocho level 2.
Il a vu la frame d'Aigo. Il envoie le Kikocho à la relevée. Et cancel immédiatement par un Yakukiak. Level 1 pour en terminer. Allez, la Chun-Li face au Rock. Le Rock qui est le ratio 2. Donc le ratio qui fait le personnage qui fait le plus mal. Ardèche dans le vent. Répuken. Ah, ce Répuken mal dosé. Encore un crossdown. Incroyable. Daigo qui charge remarquablement vite sa furie en passant en dessous du saut de Rock. Ça est allé très vite et derrière Daylight, la furie qui sort, bah medium kick encore. Encore une fois, ça va être très difficile pour le pauvre Garou, non comment, Desensu no Otaku d'attaquer. Allez, la furie level 3 de la part de Rock pour tenter de casser la garde. Mais Chun-Li qui récupère évidemment. Omera qui a réussi à se sortir du coin, hein, saut petit point qui contre la tentative de fuite de Otaku. Et là encore une nouvelle fois la furie level 3. Incroyable ce qu'il nous a fait là. Daigo qui a cancellé directement en sortant un contre pour pourrir la furie de son adversaire et qui remporte donc le match. Umehara Daigo qualifié donc pour les demi-finales.